Jawad Rostom Touati, bonjour ou bonsoir selon vous. Bonjour professeur. Nous sommes très très heureux de vous recevoir. Tout le plaisir ici, est pour moi. À Alger, où nous nous retrouvons dans le cadre du salon international du livre, le SIL. Immense salon du livre. Tout à fait. Un des plus grands sans doute au monde. Oui. Où nous savons, des millions de visiteurs sont enregistrés chaque année. Vous êtes un romancier. Tout à fait. Un jeune romancier, je dirais. Plus pour longtemps, mais... mais jeune quand même. Et nous allons profiter de cette occasion pour échanger avec vous. Avec grand plaisir. Sur l'ouvrage que vous venez de commettre, ce n'est pas un délit, mais vous l'avez commis, et ça s'appelle « La civilisation de l'ERSAC ». Tout à fait. Publié aux éditions APIC, que je n'ai pas eu l'occasion de lire complètement, le temps ne me le permet pas, ne me l'a pas permis, mais sur lequel nous allons échanger grâce à votre complicité. Avec grand plaisir. Nous allons aussi essayer d'aller un peu plus loin et d'échanger sur le roman algérien, sur la création. La civilisation de l'ERSAC, ce n'est pas votre premier roman. Non. Il y en avait déjà un premier. C'était lequel? C'était un roman qui s'intitule « Un empereur nommé Désir », qui est un clin d'œil aussi à Tennessee Williams et qui fait justement partie d'une trilogie intitulée « Le culte du ça », c'est-à-dire « Le culte de la pulsion », et qui traite, analyse et en même temps critique justement ce culte qui est rendu à la pulsion, cet interdit d'interdire qui s'est complètement mondialisé à partir des États-Unis, puis mai 68, et puis qui a commencé à se propager un peu de manière idéologique à l'ensemble du globe. Avant de revenir un peu à votre manière d'écrire, peut-être à ceux qui vous ont influencé, je sais que vous avez beaucoup lu, vous êtes professeur de français, la civilisation de l'ERSAC. Oui. Moi, j'ai juste vu une approche au début. Ça commence violemment. Oui, âprement. Ça commence âprement. J'ai dit violemment, en réalité, ça commence par un viol. Carrément, oui. Et c'est terrible. Tout à fait, oui. Cette approche, j'allais dire, repoussante, elle est due à quoi? Mais en fait, elle est due à l'origine même du roman, qui est un article de presse qui se voulait un reportage sur une femme répudiée par un mari violent et une belle-mère violente qui s'est retrouvée finalement chez elle, qui aurait été violée par ses deux frères, mise enceinte par l'un d'eux et qui aurait fini dans la rue pour ensuite répondre au reportage qui s'est retrouvé sous presse. Moi, comme romancier, sachant que de grands romans étaient écrits à partir de faits divers, notamment le fameux Emma Bovary, le fameux Madame Bovary, je tiens ça sous les yeux et je me dis, est-ce que je peux faire quelque chose à partir de là? Et puis, plus je lis le reportage, je le relis, et plus je lui trouve une telle invraisemblance dans l'aspect caricatural de la monstruosité, que je me dis, si je voulais en faire un roman, quelle serait la part réaliste et quelle serait la part surfaite? Et donc j'essaye d'imaginer une histoire réelle, une histoire de viol, mais qui serait réelle, et non pas qui véhiculerait l'image de l'affreuse société rétrograde qu'on cherche parfois à donner de nous. Et donc j'imagine une histoire beaucoup plus simple, qui est celle d'une femme, d'une veuve qui perd son mari. Comme elle est locataire, comme beaucoup de couples aujourd'hui, elle ne peut plus payer sa location, elle est hébergée chez une tante, et le fils de la tante, son cousin, va la violer, la mettre enceinte, et elle va ensuite être prise en charge par une association, féministe, qui fait son travail sérieusement, mais autour de cette association féministe gravite des militantes qui, elles, ont plus intérêt à attirer sur elles l'effet de projecteur qu'à aider réellement les femmes. D'accord. Et donc, parmi elles, il y aura une journaliste qui va écrire son histoire, mais qui va complètement la déformer, complètement la rendre encore plus monstrueuse. Et donc, du réel qui est le cousin qui viole la cousine, elle transforme l'histoire en le reportage que j'ai lu et qui m'a choqué, qui m'a poussé à écrire ce roman. Et qui n'est pas conforme vraiment à la réalité. À mon humble avis, non. On dit pourtant, l'ai trouvé prodigieusement mal écrit. Je crois que c'est Ngugi qui dit que la fiction, la réalité quelquefois dépasse la fiction.
Ici, c'est l'inverse. C'est-à-dire ce qu'il y avait dans ce reportage-là, ce n'est pas seulement le fait que la réalité dépasse, ou plutôt que la fiction ait dépassé la réalité, mais c'est-à-dire il y avait tous les lieux communs, tous les clichés, tous les poncifs de l'archaïque société patriarcale qui réduit la femme à moins que rien, était exposé en double page. Et d'ailleurs, le fait même de lui avoir consacré une double page, d'en avoir fait tout ce plat, de l'avoir situé dans une contrée que je ne vais pas nommer, enfin que je vais nommer, qui est Elgin, et donc qui nourrit plein de fantasmes aussi, qui est une contrée perdue, entre guillemets, etc. C'est-à-dire, tout était fait pour empêcher, d'une part, le lecteur de chercher à vérifier le fait et à avoir un esprit critique, et d'autre part, de lui faire avaler cette version-là et de lui donner une portée généralisante, c'est-à-dire de faire en sorte que ça nourrisse l'imago, c'est-à-dire voilà, que ça nourrisse l'inconscient collectif qui est déjà suffisamment nourri par ces clichés. Et donc moi j'ai voulu essayer de faire la critique de ce travail-là, mais à travers les mêmes procédés romanesques, parce que pour moi ce n'était pas un reportage, mais du pur roman. Oui, c'était du roman en réalité. À mon humble avis, en tous les cas. On vient de suivre un débat très intéressant sur ces questions-là. Oui. Mais à partir de la transgression du réel par le journaliste devenu écrivain, ça m'a beaucoup intéressé ce que vous venez de dire. Parce qu'il y a un grand journaliste sénégalais qui s'appelle Pape Samba Kane, qui a évoqué la question, là, ici à Alger. Parce que lui-même est à la fois journaliste et écrivain. Mais cette réalité cruelle, dure, est-ce que ça correspond, même si la journaliste l'a exagéré, est-ce que ça correspond à une préoccupation ici, inter-algérienne ? Mais écoutez, ce qui m'a dérangé, si je puis dire, c'est que c'est une réalité qui correspond à toutes les sociétés du monde. Du monde, c'est ça. Voilà. Et ça ne correspond pas seulement aux femmes, c'est-à-dire que quiconque se trouve en situation de faiblesse dans une société prédatrice, enfin, ou en tous les cas où les conditions matérielles, morales, etc. produisent des prédateurs, le faible, quel qu'il soit, c'est-à-dire une femme en situation de faiblesse, un homme, tout ce que vous voulez, sera susceptible d'être agressé, d'être violenté, etc. D'accord. Or, le fait même de vouloir produire à travers des reportages ou même à travers des romans, l'idée qu'il y a une spécificité algérienne ou africaine ou tiers-mondiste dans le traitement de la femme, le traitement dégradant de la femme, c'est cette idée-là contre laquelle je m'insurge. Voilà, en essayant de retrouver ce que Joseph Gabel appelait l'intuition du divers. C'est-à-dire que, oui, c'est bien, il faut montrer ce qu'il peut y avoir de bas, de vil, de cruel dans nos sociétés, mais à côté, montrer ce qu'il y a de grand, montrer ce qu'il y a de banal, etc. Et le fait de montrer seulement un côté uniforme de la société, c'est faire non pas une réalité esthétique, qui est le propre du romancier, mais faire de l'idéologie et soutenir des thèses idéologiques et politiques. Et ça, ce n'est pas le travail du romancier. C'est celui du propagandiste. Absolument, entièrement d'accord avec vous. Maintenant, dans la manière d'écrire, j'ai noté tout à l'heure que vous commencez par cette incipit qui est d'une violence inouïe, mais qui heurte le lecteur. Vous n'avez pas eu peur que certains lecteurs disent « Ah non, il ne faut pas aller trop loin, ça va être pire en allant dedans. » Mais au contraire, les lecteurs sont, si je puis dire, tellement habitués à ce genre de traitement qu'ils vont sûrement, que beaucoup vont s'attendre à ce que je surenchérisse constamment sur notre société rétrograde, etc. Et je pense que ce qui va les choquer, ce n'est pas tant le viol en soi, puisqu'on leur a tellement rabâché que nous sommes une société de voleurs, de violeurs, de misogynes, de tout ce que vous voulez. Ce qui va les choquer, c'est que dans le roman, la personnalité du violeur va apparaître dans ses multiples facettes. Et je ne le décrirai pas seulement en tant que violeur. Il est aussi violé, parce que lui-même a d'abord été victime dans son enfance. Je vais montrer que la frustration n'est pas limitée aux couches populaires et qu'elle n'est pas le fruit d'une culture spécifique, mais qu'elle est le fruit de conditions matérielles aussi. Et c'est une approche intéressante parce que ça nous ramène à un peu le sens de la littérature, mais en général, en fait, on questionne au-delà même d'une réalité locale, ponctuelle, à l'humanité. Tout à fait. On interroge l'homme. Exactement. Et c'est peut-être ça que vous voulez montrer. Justement, et aussi de dire que l'universel qu'on nous rabâche constamment, ce n'est pas l'universel occidental. C'est le fond commun à toute l'humanité qui gît derrière chaque forme particulière propre à chaque peuple. Je vais maintenant, parce qu'on ne va pas être trop long, vous demander
par rapport à la littérature algérienne, oui. Par rapport à ceux que j'adore, oui. Kateb Yassine, Mohamed Dib et consorts, comment vous sentez-vous lié à eux? Mais ce sont des mentors, ce sont des prédécesseurs, ce sont des enseignants, des professeurs, oui. Des modèles aussi. Certains sont théoriciens d'ailleurs du roman. Mohamed Dib n'est pas seulement romancier, il théorise aussi. Il va fêter son centenaire, enfin on va célébrer son centenaire. Exactement. En 2020. Oui, et pour moi la préface. Centenaire de sa naissance. Exactement, oui. Et pour moi la préface de son roman Un été africain, c'est un manifeste du roman pour moi. Absolument, tout à fait. C'est quelque chose qui fait partie un peu de. C'est pour moi un bréviaire. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Ben, c'est moi qui vous remercie. De nous avoir parlé un peu de vous et de l'Algérie et de la littérature pour le Sénégalais, pour les Sénégalais, mais pour également tous les téléspectateurs du monde qui suivent les télévisions sénégalaises. Merci à vous, merci, c'était un grand honneur. Et à très bientôt au Sénégal. À bientôt, avec grand plaisir, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci bien.